Bonjour à tous et bienvenue sur ce 7ème épisode de Super Mario Bros 3 qui fait suite à un très court épisode 6 qui nous aura vu terminer le monde des nuages, je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé, et aujourd'hui on va se lancer dans le monde des glaces, ou de la glace, pendant comment vous le dites, et puis on va se lancer directement dans le niveau 1, puisque là je pense que ça c'est le raccourci qui permettra d'aller là-haut. Il nous faudrait le petit marteau pour pouvoir casser la pierre. Donc on va se lancer direct dans le niveau 1, sans bonus. Oh putain, ça glisse. Je sens que je vais pas aimer ce niveau. Je sens que je vais pas aimer ce monde. Ça glisse trop sur les blocs. Alors là ça va. Oh non, sérieux, ce timing. Oui, ça passe pour l'instant. Voilà, ces blocs-là, ils glissent à mort. Et encore une fois, un nouvel ennemi hein, qui apparaît. Mauvais timing. Mais ça passe et on se met encore 5 vies supplémentaires. Comme vous le voyez, en termes de vie, je suis pas mal, je crois qu'on n'a jamais été aussi bien depuis le début du let's play. Je crois que je commence un petit peu à maîtriser le jeu, un minimum. Allez, on va essayer de faire correctement ça. Eh non, loupé. Tant pis. Complètement loupé là pour le coup. Tant pis. Oui, on va faire le 2. Bah, après, on pourrait faire le 3, mais. Techniquement, le 3, on n'est même pas obligé de le faire. Hein. On peut le laisser là. Au pire, on verra. Avec lequel on a plus d'affinité. Pour l'instant, ça va. Ouais, j'y viens. Pour l'instant. J'attends toujours un petit entourloupe. Qui me fera mentir. Ok, pour l'instant, on est bien. Casse-toi. Après, je suis mauvais. Hein, ça change pas. On va voir le 3. Le 2. Le 2 me semble largement faisable. Le 3, moi. Cela dit, on pourrait déjà récupérer le marteau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On va se mettre. En feu. Et n'importe quoi. Mais c'est passé. J'ai fait n'importe quoi, on est d'accord. J'ai totalement oublié qu'avec les boules de feu, hein, c'était totalement très très simple de les éliminer. En restant très loin. Et là j'ai fait nimp. Je vois pas l'utilité pour l'instant d'utiliser mes bonus. Que finalement, le plus grand danger sur ce niveau, bah c'est mes sauts. Donc finalement, que j'ai un bonus ou pas, je suis pas sûr que ça change grand chose à ma partie. Si, ça peut me faciliter, j'ai pas besoin de sauter par exemple au-dessus. Si je suis en raton laveur, en tanuki, exactement. Je peux... détruire les blocs qui facilitent la tâche, on est d'accord. Mais bon. Honnêtement. On pourra survivre sans. Voilà, c'est mieux quand je fais pas n'importe quoi. Ouais.
Ça c'est bon. De toute façon, il suffit de le réussir une fois et après on peut débloquer le raccourci. Alors c'est très simple, hein. Je pense que pour avoir l'étoile, il faut juste être à fond de son accélération, sauter sur le truc et ça donne l'étoile. Voilà, là on a débloqué le raccourci, ça c'est déjà fait. On avance bien. Et on va prendre celui du milieu. Bon. Pour les boules de feu, ça peut toujours être utile. Eh bien allons tout de suite dans le château, hein. Nous embêtons pas à faire le niveau 3. Si on en a pas besoin. Alors je sais pas si je vais devoir sauter. Pour éviter des ennemis ou les boules de feu. Ou si en restant sur mon petit bloc là je suis tranquille. Ou je vais absolument mourir. Ah non, les flammes de bougie. Quel plaie. Ouais. Là, normalement, je suis tranquille. Et il me touche pas. Viens jusqu'à moi. Merci. Je peux pas passer. Ouais, non, on a le champignon, au revoir. Au revoir, on va essayer de le faire comme ça. Non, non, bah non, mais je sais pas ce que j'ai voulu faire. Hein. C'était débile. C'était complètement con. Est-ce que... Ouais, non, je vois pas trop l'utilité là tout de suite. J'ai stressé. Et je me suis suicidé. Bon, j'aimerais éviter de perdre toutes mes vies parce que je suis plutôt bien. Non mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, moi. Ça y est, je commence à mourir, je commence à faire n'importe quoi. Donc, calmement, on y va. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, si je reste ici, je suis relativement tranquille. Après, il y a la descente. Ça, c'est autre chose. C'est vrai. Il y a notamment la petite flamme. Fuck. Je l'ai vu dernier moment et trop tard. Bon. Je pense qu'on a compris à peu près comment ça fonctionnait. Ok, j'ai eu peur, le jeu est un peu bugué. On va utiliser le champignon. Pour le coup, je l'utilise en me disant que... ça devrait passer. Ça devrait me permettre aussi... d'avoir un poil de... liberté de se faire toucher au moins une fois avant d'arriver face au boss. Après, face au boss, il faudra pas faire n'importe quoi si on n'a plus la grande taille. Voilà. Déjà, on peut aller jusqu'ici, c'est pas mal. De là... Voilà. Ça, déjà, c'est pas mal aussi. Ouais, ça passe. J'ai serré les fesses. Ok. Là, on va au boss. On a des possibilités de se faire toucher. Donc, c'est pas trop mal, en fait. Voilà, nous, après, on peut... lui sauter dessus tranquillement, c'est pas grave s'il nous touche.
D'ailleurs, on profite de l'invulnérabilité qui nous permet de le retoucher et donc d'exploser ça et de bien progresser du coup dans le niveau. Déjà de base. Alors là, j'ai deux questions. Déjà, il y a ça. On va le faire. Ah, on va peut-être pouvoir avoir quelque chose. Ah, dommage. Presque. Donc il y a ça. Et après, je me demande... Qu'est-ce qui nous bloque là-haut ? Le pont. J'imagine que de casser... de finir le château débloque un pont ici et nous permet d'avoir un autre raccourci. Je suppose. Donc il faut aller au château le plus rapidement possible. Donc on va déjà faire le niveau 4. Toi, je vais pas t'aimer. Qui est vous, ça fait longtemps, tiens. Ok. C'est pas évident. Une. Voilà. Une vie supplémentaire. Foiré. Oh non, pas toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas tout compris. J'ai pas compris pourquoi j'étais dégagé. Je pense que c'est un niveau, il faut pas trop chercher. On va peut-être se contenter d'avancer. Oui, bah, tu me saoules, toi. Tu t'arrêtes jamais? Apparemment, non. Ah putain, ça va être chiant ça. Ah, c'est déjà... Oh merde. J'allais dire, c'est déjà assez compliqué en termes de plateforme pure, mais en plus avec cet ennemi, ça corse bien les choses. Bon. Allez. Concentré. Voilà. Ça va. Ça, on s'en branle. Voilà, je t'ai esquivé. Qu'est-ce que tu dis? Vitesse et on passe. Parfait. Ça, c'est bien. Alors, eux, ils sont partis. Ils sont partis, donc nous, on va essayer d'aller faire le niveau 5. Parce que le niveau 5, c'est accès à un autre bonus, et c'est toujours intéressant. Alors, toi, tu vas encore me balancer des trucs sur la face, ou... Je vais aller là. Un champignon. Je vais pas dire non. Bonjour. Je sais pas trop où je vais. Ah oui, c'est de nouveau les racailles. Ok, il peut pas casser ses... Oula, magnifique ralentissement. De sprite à l'écran. Je reprends un champignon parce qu'il n'y a pas de raison. Et je me casse.
Attends. Attends, c'est encore un piège à con, ça. Il s'est défoncé tout seul ou... Comment ça se passe? Je pense qu'il y a un truc à faire. Voilà. Ah putain l'enfoiré. Ah bah non. Bah oui. Faut pas rêver, moi je vois un truc exploiter, je l'exploite hein. Mais du coup je me dis... Je dis que là ça fait une bonne plateforme pour... Essayer de s'envoler. Merci. Voilà. Ok, c'est le deuxième. Voilà. Tu m'as pris pour un con. Par contre, je fais comment là, moi? Faut la chaussette. Le truc c'est que j'ai pas de temps illimité, donc il va falloir quand même bouger ses fesses. Bon, on a déjà trouvé un truc, déjà pas mal. J'arrive pas à casser ce bloc. Peut-être par ici, vite. Non, qu'est-ce que tu fais? Ok. Ça me saoule. Mais non, mais vas-y, c'est bon. Je vais perdre à cause du temps, putain. Allez. Non, mais casse ce bloc. Voilà, merci. C'est pas là. Fuck. Comment ça, c'est pas là? T'es en train de me dire que c'est peut-être là? Parce que l'autre... L'autre, je suis bloqué. Hein. Bon. Déjà, défonçons-lui.
tout de suite, c'est plus simple. Tu me donnes une étoile. C'est cool. Alors, j'avais dit... Ici... Non. Ça, oui. Ça, oui. Et ça, là-bas. Boum, ça c'est fait. Ça se trouve, c'est vraiment le deuxième, hein. Ça se trouve. Tout ça, c'est pour m'induire en erreur. C'est vraiment celui-là, hein. Non. Mais c'est lequel ? Ok, je suis heureux avec une vie, mais... Sinon... Ça me dit toujours pas comment je suis censé faire là-bas, hein. Tu peux me toucher autant que tu veux, hein, tu sais. J'ai un petit peu... les bonus illimités. Heureusement. Heureusement d'ailleurs. Sinon ce serait un petit peu la merde. Je me demande... Par curiosité. Non, je peux pas repasser par là, donc c'est pas ça. Ouais, là c'est juste le costume, donc. Non, on est raté. On était vraiment. Ah putain d'enfoiré. T'es vraiment bon. Là où il y a les petites plantes blanches, mais du coup, comment je fais? La question reste là quand même. Parce que le principe du niveau, je l'ai compris, hein, pas de soucis. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Voilà, là je me dégage le chemin. Juste que je tape monsieur Akai là, je dis juste à la tortue casse toi ici, on fait tchou. Ah non non, tortue tu me fais chier. Voilà, là là je... non l'autre, c'est l'autre. Je crois que je peux tomber avec le costume de Tanuki, c'est ce qu'on me disait dans un commentaire. Je peux tomber quand je vole. Peut-être que ça peut exploser les plantes et que du coup je peux passer. Peut-être. Je ne sais pas. Sinon c'est que je suis bloqué. Sinon je suis bloqué. Et c'est un peu con. On va pas se mentir. Attends, il faut faire des tests.
truc que je comprends pas. Bon, toi, tu me saoules. Pars-toi. Mais c'est pas possible, un moment. Casse-toi. Pas éternellement. Non mais... C'est l'enfer cette tortue. Je suis censé faire comment avec elle? Je veux dire, elle te coupe dans ton élan. Mais va niquer ta mère, putain, la tortue. Je vais regarder la notice du jeu, je reviens. Il y a peut-être un bouton que j'ai pas et qui me permet de passer ces plantes parce que... Là, sinon, je l'ai pas. Je sais pas où aller, à part ici. Mais le truc, c'est qu'il y a les plantes, donc je vois pas. Alors, à tout de suite. Ok, bon, alors, j'ai rien trouvé dans la notice, donc j'ai regardé une soluce parce que là, ça commence à être un petit peu trop tractilo... Trop tiré par les cheveux. Et globalement, ce qu'il faut faire. Et là, honnêtement, j'aurais jamais deviné. Alors après, j'aurais pu passer par l'autre niveau. Hein. C'est pas bloquant, mais bon. Si on veut le bonus, il faut faire ça. Mais là, j'avoue que j'aurais jamais deviné. Alors à l'époque, j'aurais demandé à un copain dans la cour, tu vois, ou une copine. Non, mais non, c'est pas ça que je veux faire. En fait, j'ai besoin de lui. Oui, le temps. Le temps. Le temps. Qui nous rattrape tous. Bien sûr, un jour ou l'autre. Donc, là, normalement, ça devrait le faire. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça va nous permettre... Normalement, de réussir. Alors, je dis bien normalement parce que... En fait, j'essaie de prendre la carapace dans les mains. Mais comme vous le voyez, il a plus tendance à lui donner un coup de queue qu'autre chose. Des fois que... C'est pour ça qu'elle réapparaît sans cesse. C'est qu'elle est utile, finalement, cette tortue. Voilà, ça c'est fait. Maintenant il me faut la tortue. Tortue, viens là. Non mais arrête, c'est bon. Ah donc je sais que j'ai besoin de toi, tu veux plus venir? Merci. Voilà. Foiré. Faire ça plus rapidement parce qu'elle peut sortir quand elle est dans tes mains. Oh putain, c'est moche ça. C'est moche. Mais bon, je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. Finalement, il faut prendre la tortue, voler avec et aller défoncer les petits trucs verts. Blanc, vert, je sais plus. Voilà, comme ça. Et on peut enfin progresser. Quand je dis que c'est tiré par les cheveux des fois, là pour le coup totalement. Bon.
C'est la solution de... je demande à un pote, une pote... au fait, t'as réussi le monde 6-3, 6-4 ou 6-5. Non, 6-5 de Mario. Il me dit, il ou elle me dit, oui, oui. Tiens, c'est ça la solution. Voilà. J'ai le costume de marteau. C'est ça. J'ai quand même pas mal de bonus, hein. Ouais, vas-y. Y'a rien de plus utile que ça. Face à eux. Tu restes juste hors de portée et t'attends, hein. Ouais, bon, là. Par contre... Non. Mais... Normalement, il est censé descendre. Il est pas censé monter, mais... En tout cas, en général. Du coup, je me demande si avec le costume de marteau, je peux pas... Non, je peux pas. Non, je ne peux pas casser ce rocher. C'est bizarre. Ah, peut-être. Yes! Maîtriser ça. C'est bizarre quand même. Pourquoi je peux pas casser? Mais il sert à quoi du coup le costume? Oui, bon bah. Adieu le costume. Oh non, pas toi. Non mais ça, vous étiez pas obligé de le remettre, hein. C'était très bien dans un niveau. Putain. Heureusement que j'ai 12 vies, que je me dis que je vais... certainement... Ferme-la. Je me le dis tout seul, mais ferme-la. Chut, tais-toi. Je vais rien dire. Voilà. Oui, bon, on va descendre là. Tac. C'est chiant, ça glisse, c'est lent, je peux pas speeder. Ok, ok, j'attends là. Vas-y. Dévoile-moi le reste du niveau. Ça, de toute façon, je m'en fous. Non, non, putain de merde. Saleté de glace. Ouais. Salut. Et là, je prends le costume de Tanuki et on y va. On y croit. Putain. Non, mais sérieux. Quoi cette merde? Ça y est, je suis en train de me dire, ça va, le niveau de la glace, il se passe plutôt bien. Forcément, le jeu commence à m'entuber. Ouais, j'étais plutôt fier de mon gameplay jusque là sur ce niveau. Et le jeu, tu caches tout. Tu caches absolument tout. Ok. Voilà, rien à foutre des pièces.
On monte. Non. Voilà, meurs. Putain, non, pas la glace. Quoi? Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas. Vous savez quoi, on s'en fout. Cours. Ah bah merde. Ça c'était pas prévu. C'est mauvais. Bah oui, mais du coup j'ai pas de marteau. Donc je peux pas casser ça. Ah non merde, je t'oubliais. Excuse-moi. Non, toi, va-t'en. Non, tu vas me saouler, toi, je sens. Quoique, là, je l'ai fait disparaître. Tu vas où, toi? Tu vas par là. Ça passe. Oh non. J'ai pas osé. Quelle horreur. Non. Oh putain, mais non, mais c'est... C'est pas jouable là, c'est de la merde. Ah mais le truc c'est que j'ai vraiment rien qui m'aide là. T'as pas un bonus du nom de patin à glace? Non, parce que là, ça commence à devenir quand même compliqué. Moi, je veux bien faire des efforts et essayer d'avoir un peu de skill. Mais il faut un petit peu m'aider quand même. Là, tu vas pas me dire que c'est... Que c'est facile. Putain. Oh, mais neuf. T'abuses le jeu, là c'est abusé, ce château, c'est l'enfer. Non, reste là-bas. Non. Fous-moi la paix, putain. J'en ai marre. Non. Oui, bah, je suis niqué. Mais ça glisse comme pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je foute? Je peux pas contrôler mon perso. Alors le moment où j'arrive face au boss, il va pas falloir faire n'importe quoi. Il va falloir que ce soit du first try. Hein. Parce que déjà d'y arriver, c'est déjà tout un challenge. Oh mais en plus il y a lui là. J'ai oublié toi. Cours. Ok. J'étais suffisamment rapide pour éliminer le fantôme. Ok. Alors j'ai dit quoi? Ouais, faut pas faire n'importe quoi. Oh, en plus sur de la glace. Oh non, mais vous avez pas honte. Mais je suis bloqué. Pendant foiré. Ok, c'est bon. J'ai sorti.
J'ai sorti tout mon skill là. Ah, le petit piège à con. Mais c'est surtout que, comme tu glisses, bah le jeu il t'y emmène tout doucement, gentiment, en te disant regarde, tu vas mourir. Et heureusement que j'étais grand à ce moment-là. Heureusement. Attends, j'ai besoin de ça pour frapper ça. Il y a vraiment champignon. Voilà. Je suis bien content de plus voir de la glace là pour le moment. Ah tiens, vous, ça faisait longtemps. Bah, ça faisait longtemps. Il y a le coup de la tortue, mais... Ah non, pas toi. Ah non, pas vous. Vous, ça faisait vraiment longtemps, mais... J'étais bien content. Oui, alors non. C'est bon. Les racailles vont se calmer. C'est pas la banlieue, ici. Ok, 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 niveau 8 qui se fait. C'est bon. Allez, forcément, là je tape l'étoile. Donc là, on n'aura pas les 5 vies. C'est dommage, parce qu'on en aura bien besoin. Ah, attends, 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 attends. Ah oui, 10 niveaux comme ça, toi. Donc là, c'est à nouveau, c'est ça? Ouais. Non. Non plus. 4 premières, y'a rien du tout. Bah voyons voir le niveau 9. Dans la pure logique, le 9 est censé être plus simple que le 10. Dans une certaine logique. Normalement. Rentrez moi dans ce tuyau. Pourquoi vous êtes méchant avec moi? Alors il y a des trucs là-haut, mais... Bon courage. Pour les atteindre. Ah putain, il y avait de l'air. Il y avait de l'air. Niveau 10? Ah, je suis pas sûr que je vais l'apprécier le niveau 10. Non, c'est vrai que les carapaces rouges ne tombent pas des plateformes, c'est les vertes. Bien entendu. Non, c'est bon. Ça va, pour l'instant, niveau 10, il... Bah merci. J'en demandais pas tant, tu sais. J'ai un doute sur ce que je veux faire, là. Bah tu es entre vous, hein, c'est... Merde. J'allais me moquer d'eux, ils m'ont puni. Ah, 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 non, arrête. Oui, oui, je viens de faire un truc, je sais pas comment, mais je l'ai fait. On redonne moins de vie. C'est toujours ça de prix. On va pas s'en plaindre. Ok. On fait le château? On fait le château. Ah, merde. Non, c'est quoi cette merde? C'est un tapis roulant. Ah non. Non, 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 ça commence à devenir un petit peu abusé. Je suis censé faire quoi, là? Mais vous êtes sérieux, bordel? J'en ai rien à péter. Je
Ok. Oula, attention. Oh non. Oh non, oh non, oh non, 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 moi je vais pas signer pour ça, hein. C'est quoi cette... cette horreur? Et putain, ils sont sérieux en plus. Ok, je suis où? C'est quoi cette merde? C'est quoi, venez? Hop, je vous esquive. Salut les mecs. Et là, il va pas falloir faire n'importe quoi. De deux. Et de trois. First try, mec. First try, je t'ai niqué, first try. Bon, pas sur le niveau, mais sur le boss. Ça, c'est bon. Et on débloque le navire. Il est transformé en otari. Trouve le bâton magique qui fera changer le roi, comme d'hab, hein, comme sixième que tu fais. Non mais c'est sérieux là, mais j'ai jamais compris comment ça fonctionnait moi cette merde. Non c'est bon, je peux passer. Je suis déjà au tuyau? Non. Non, non, ok. Oh, mais non. Mais non, mais j'ai jamais compris! Putain! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est de la merde! Il va où en plus, lui? Il va là-bas. Je sais pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le jeu qui est en train de dire, ah bah si t'as skip tout ça bah, depuis le début, t'es dans la merde. Je viens de me rattraper à quoi là? Ah, y a un plateau. Ouf. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça j'apprécie. Les trucs enflammés c'est cool. C'est ce que j'aime. Oui. Oui. Je vais passer par là, hein, d'accord. Bon, j'ai un truc. Oh mais non! J'allais dire, j'ai un truc, c'est pas mal. Il suffit. C'est pas le cirque, hein. Ballon, c'est ballon. Ok, je vais toucher deux fois. Et de trois, first try! Ça, c'est beau. Ça, c'est le beau jeu. Voilà! Voilà, vous voulez une vidéo où je montre du skill? Je pense que celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal, en plus on fait le monde 6 en une seule vidéo, et ça c'est cool. C'est vraiment cool. Et donc... ouais. Bah, je crois qu'il a conservé un peu sa forme d'otari. Mais on va pas trop lui dire, hein. Tant qu'il me donne la lettre et qu'il me permet d'accéder au monde 7, qui est l'avant-dernier. Qui sera pour la semaine prochaine. Mario, je vais bien. Va chercher la flûte magique cachée dans la partie noire du troisième monde. J'ai inclus un objet pour t'aider. Protège-toi. Va chercher la flûte... quoi? C'est un peu le bordel, ce niveau. En tout cas, on le découvrira la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, oui, vous avez eu deux épisodes, un très court et un, je sais pas trop combien de temps il dure, mais un épisode efficace, puisqu'on aura fait le monde de glace en un épisode. Voilà, c'est pas mal. La semaine prochaine, on va retrouver le game over, je pense, puisque j'ai que trois vies pour découvrir tout un nouveau monde.
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on va essayer de progresser et de faire aussi efficacement. Il nous reste plus que deux mondes. Donc on approche doucement de la fin de ce let's play. Et on s'améliore de vidéo en vidéo. Sur ce, j'espère que ces deux vidéos de la journée vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Mario. Sinon, sur d'autres aventures, vous avez le choix sur la chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Et bonne journée à tous.